Willkommen auf der YouTube-Channel von Mondial. So, hier sind wir wieder. On se retrouve. Für den letzten Unterricht diese Session. Mal sehen, was kommt später. C'est le dernier cours de cette session. On va voir comment ça continue. En tout cas, vielen Dank, dass ihr mir folgt, dass ihr mich folgt. Merci de me suivre. Ich hoffe, ihr seid gesund. Im Körper, genau wie im Kopf. Okay, j'espère que vous êtes bien en forme, en bonne santé, corporelle, mais aussi psychique. Es ist ja nicht einfach. Ich weiß, aber wir müssen durch. Ne? Wir müssen durch. Okay, ich sais que c'est pas facile, mais on va y arriver. Donc, on va commencer. Hop, 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 tranquillement. Et bien, genau wie immer, klein aufwärmen, petit échauffement, vous me suivez. Ok? Alors, ok, kleines aufwärmen und ihr macht mit. Bisschen sonnige Musik. Schulter.
Donc aujourd'hui, on va travailler sur les mains. Okay? Heute werden wir mit den Händen arbeiten. Parce que oui, comme on le sait, là, comme ça se développe, on peut toucher de moins en moins de choses. On ne peut pas toucher les autres, on ne peut pas toucher les objets. Et les pauvres mains, mais on en fait quoi? Ok? Weil eigentlich heutzutage, dann darf man fast nichts mehr berühren. Man darf nicht die anderen berühren, man darf nicht die Objekte berühren. Man muss sich immer die Hände waschen. Das heißt, lass uns auf unsere Hände. Und erstmal werden wir mit unseren Händen einfach uns gut tun mit einer kleinen Massage. Okay? On va d'abord avec nos mains se faire du bien avec un petit massage. Vous me suivez, ihr folgt mir und wir machen uns einfach Hände auf den Körper. Okay? Vous me suivez, on va se mettre juste les mains sur le corps pour se faire du bien. Donc, DJ. Beide Hände auf den Augen, sur les yeux. Und auf die Ohren, sur les oreilles. Sentez la chaleur que vous vous donnez vous-même. Spürt mal die Wärme, die ihr euch selber gibt. Sentez votre cœur. Spürt mal euren Herz. Bonjour à ta peau, sag hallo zu deiner Haut. Le pied. L'autre jambe. Wir machen jetzt so. Nach außen, de l'extérieur. À l'intérieur des pieds innen. Nach oben hier. Le visage. Derrière la tête. Et le dos. Hände. Eine Hand vorne. On la met devant. On tourne. On la met au milieu. Ok? Drehen und in der Mitte. Andere Hand kommt hier. Zu. Et on pousse ici. Ok? Wirklich am Handgelenk. Tac. Et le reste du corps reste droit, long. Selbe Hand, la même main. Hop. Et paf. On ferme. Und diese Hand, Mittelfinger, kommt zum Bauchnabel. Aber nicht so. Pas comme ça.
Comme ça. Hop. On va bleiben mit diesem Griff, on reste avec cette position et on monte la main là, on relâche. Wir gehen nach oben und loslassen. Nach oben, loslassen. Ja, ça tire vraiment dans le poignet, c'est bien ça. Et devant, le pouce ici, down here, Finger drauf, drüber und öffne. Oh, on ouvre. Ok, et on relâche. L'autre main ici. On tourne nach oben. Hier. Andere Hand nach vorne. Zuschließen. On ferme la main. Et pareil, toute la main. Oh, ja, 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 ja. Wirklich am Handgelenk, okay? Nicht hier. Hier. Ab. Ah. Devant, on tourne, l'autre main dessus, on ferme diese Linie, Bauchnabel, cette ligne du majeur au niveau du nombril. Et on relâche. Ouah. On garde cette position d'en bas. Tac. En haut. Ah. En haut. En haut. Et on ouvre, öffne, down am Handgelenk, direct da. Finger nehmen, on prend les doigts et on ouvre. Et on relâche les deux. Loslassen beide. Et on jette. Côté. Ok. Alors, on va continuer avec la main. Wir gehen weiter mit der Hand. Mais avec une image un peu plus complexe. Mit einem Bild, was ein bisschen komplizierter ist. On s'imagine la main. Avec à l'intérieur, au centre de la main, comme une lumière. Et cette lumière, elle va s'allumer quand la main va s'ouvrir. D'accord? Donc, on va jouer, c'est un peu aussi comme une pieuvre ou un animal là, qui va s'ouvrir de l'intérieur, une étoile de mer, et qui va revenir. Ok? On allume, on éteint. Ok? So, wir haben hier ein Licht, womit wir, wenn wir drücken, whoop, leuchten und dann zurück. Es ist wie eine Qualle ein bisschen. Wo da ist diese Mitte und ok. Et avec cette image, on va jouer, je vais mettre une musique, on va jouer juste avec les mains, une main et l'autre, où on va éclairer différents endroits. Okay, wir werden nur mit Händen arbeiten jetzt. Ich spiele eine Musik vor und wir leuchten verschiedene Orte. Whoop, damit. Et l'important, c'est vraiment de sentir la résistance, comme si vous étiez dans l'eau. Okay, on pousse quelque chose. Et, okay, wirklich diesen Widerstand spüren, als ob wir im Wasser wären und wir drücken und kommen zurück. On essaie. Alors. Une main. Et on allume.
L'autre main. Soyez précis dans la direction. Yes, ça vient? Es kommt? Versuch wirklich ganz genau zu sein. Und wir gehen ein bisschen weiter. Hopp. Nicht geplant. Okay, donc, Test technisch. Es geht noch. So, jetzt versuchen wir, diese Idee weiterzuführen, wo wir gegen eine Wand oder einen Schrank oder CDs oder irgendwas unsere Hand fest haben. Okay, on va maintenant travailler avec une surface, un mur, qu'est-ce que vous avez autour de vous sur lequel vous pouvez poser la main. Et cette main ne va pas bouger du tout. Diese Hand wird sich gar nicht bewegen. Und wir werden einfach gucken, was ist dann überhaupt möglich mit dem ganzen Rest der Körper zu tun. Okay? Et on va travailler avec le reste du corps. Qu'est-ce qui est possible? Comment on peut bouger? Hop. Sans que cette main ne bouge du tout. Okay? Et après, on va changer de main. D'accord? Okay? Donc, c'est vraiment das Prinzip, comment réussir à être libre dans tout le corps avec cette contradiction. Avec, pas cette contradiction, cette chose qui nous empêche de bouger la main. D'accord? Ok, so wie kann man so frei wie möglich werden mit dem ganzen Körper, mit dieses Idee, dieses Spiel, dass der Hand sich gar nicht bewegt. Ok? On essaie. Ok, la main elle colle, Hand klebt. Wie weit kann ich gehen? Quelle distance je peux aller? Mit dem Kopf, alle
Et des popos. Avec les fesses, le bassin. Ok, on lâche la main. Loslassen, andere Hand. Encore. Et on commence. Ça commence à être complexe, je sais, mais bon, hein, on veut pas rester. Ok, je vais être un bisschen schwierig, aber wir wollen weiter, immer mehr. Voilà, donc ce principe, c'est un principe général d'improvisation. Comment, avec une contrainte, on va découvrir de nouvelles possibilités de se mouvoir, de bouger, de faire des choses. Ok, so, das ist wirklich ein der Hauptprinzip der Improvisation. Wie kannst du mit einer Einschränkung irgendwas entdecken in der Art, wie du dich bewegen kannst überhaupt? Okay, und da drin am Anfang, du denkst, ich kann ja nichts machen, aber dann du entdeckst mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Okay, au début, tu as l'impression que tu peux rien faire, mais plus tu le fais, plus tu te rends compte que il y a énormément de choses possibles. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec plein d'autres contraintes comme vous le sentez. Ok. Et donc, le prochain exercice, on va travailler toujours avec les mains. Les mains, on va revenir sur notre corps. Wir machen weiter mit den Händen. Aber diesmal nicht gegen die Wand, sondern gegen unser Körper. Und wir spielen das, diese zwei Flächen. Das heißt, Handfläche und Körper. Diese zwei Flächen sind mit einem Gummi verbunden und werden miteinander spielen. Okay? On va travailler comme si les deux surfaces de contact, donc la main et le corps, sont reliées par un élastique et ces deux vont jouer l'une avec l'autre. Und lass uns sogar probieren mit diesem selben Prinzip mit der Wand, dass wenn der Hand dich berührt, sollte diese Hand genau da bleiben. Und das ist nur der zweite Teil, der Körper, was sich davon entfernt und zurückkommt. Spiel damit und komm wieder. Okay, on va travailler encore plus précisément que la main, elle, comme le principe du mur, va rester exactement là où elle est. Et c'est le corps, donc là, c'est le corps, cette surface, juste ce point, qui va s'éloigner. Et revenir. Ok. L'autre. Komm. Pensez à l'élastique, au Gummi. Denkt an das Gummi. Und zurück. Autre main.
einfach, aber bestimmt gut gemacht. Ja, ich glaube an euch. Je crois en vous, je sais que vous avez réussi à chercher, tout simplement. Es geht nicht um schaffen, es geht um ausprobieren, um spielen. Okay, wirklich diese Vorstellungskraft, du stell dir das wirklich vor und dann ist es drin. Okay, ça, on n'est pas là pour réussir à quelque chose, on est là pour essayer. Et essayer, c'est vraiment l'imagination, c'est jouer. D'accord, les enfants, quand ils jouent, ils sont ce qu'ils jouent, comme les acteurs. Et on a tous cette capacité. D'accord, c'est vraiment, si tu te l'imagines vraiment, tu le fais. Donc, on va terminer cette session avec un petit mix de tout ça, où je vais mettre une musique et je vais vous donner donc, différents principes d'improvisation. On va avoir la main qui peut changer et qui peut vraiment aller dans tout l'espace, les deux mains. Ok, wir haben mit verschiedenen Prinzipien arbeiten als Improvisation. Einer ist nur Hände von das, aber das kann weitergehen, dass wie eigene Tiere die Hände spielen, fliegen. Deuxième principe, si on touche quelque chose et hop, c'est collé, on joue avec. Zweiter Prinzip, kleben, okay? Hand klebt an irgendwas und der Rest spielt weiter. Et troisième principe, corps. Und letzte Prinzipien, Körper. Das. Okay? Go! Donc juste pour terminer, zum Abschluss, on met les deux mains sur la poitrine, beide Hände auf den Brustkorb, und wir atmen fünfmal tief ein und tief aus. Et on respire cinq fois profondément.
Dann und zum Abschluss möchte ich euch sagen, bitte verteilt diesen Unterricht. Ich will, dass so viele Leute wie möglich das mitmachen. Und gern zurück an mich irgendwie Kommentare oder was ihr denkt, was war gut, was war nicht gut, warum, würde mich freuen. Und vielen Dank für die, die das mitgemacht haben. Et pour terminer, je vais vous dire de partager ça. J'ai envie que le plus de monde possible puisse profiter de ça avec moi. Et n'hésitez pas à me joindre, m'envoyer des commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui était moins bien? Quel cours vous avez préféré? Parce que oui, allein zu Hause, ich mache das vor mein Handy, ist ja nicht so lustig. Parce que oui, je fais ça à la maison, tout seul devant mon téléphone, c'est pas super drôle. Dann bitte, ich brauche eure Feedbacks. Ok, j'ai besoin de vos feedbacks. Merci et restez en forme ici. Comme ici et comme là, ok? Bleib gesund, hier, hier und überhaupt.